Allô tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo complètement particulière par rapport à d'habitude vu qu'avec Solène de la chaîne Colorful Palette, on vous a préparé un swap, une belle petite surprise qui a pris un peu plus de 2 mois je crois ou presque 2 mois, je sais plus trop. Donc là je vais faire une petite parenthèse très sérieuse avant que l'excitation revienne pour l'ouverture du colis. Nous n'avons pas mis de budget parce que voilà, j'estime que je n'ai pas imposé de budget, et même si on avait mis un budget, personnellement pour elle, sachant que c'est une personne que j'apprécie énormément, avec qui on a pas mal de points communs, avec qui je m'entends super bien et que c'est une superbe rencontre sur YouTube que je suis tellement ravie de l'avoir rencontrée, que je l'aurais explosé de toute façon. Donc je l'ai explosé en nombre, je l'ai explosé s'il y avait eu un budget. Donc n'ayez pas envie, n'essayez même pas de mettre des commentaires méchants à « oui, l'autre elle a fait mieux, l'autre elle a fait ci, l'autre elle a... » On s'en fiche, nous, notre but à nous, c'était de se faire plaisir, d'avoir des découvertes, de voir à quel point on peut être connecté. Donc je suis sûre et certaine que vu comment on est connecté, je pense qu'il y a des choses qui seront en commun. La même chose, je pense. Je pense pas me tromper. Donc on verra ça tout de suite. Mais voilà, soyez cool et un peu indulgent. C'est pas parce qu'on impose un budget. Même avec un budget, on voit très bien que certaines sont plus attentifs aux goûts, aux envies, aux besoins des personnes. Et d'autres, pas du tout. Même avec le même budget, qui font limite, on s'en fiche complètement. Elles s'en fichent complètement. Donc voilà, je suis pas là pour juger. Et en même temps, je n'aime pas juger. Mais je n'aime pas non plus être jugée. Donc que ce soit elle pour elle ou pour moi. Voilà, éviter ce jugement, c'est pas ce qui compte entre nous. Donc la parenthèse est fermée et maintenant on va passer à l'excitation, parce que là l'excitation elle est un peu beaucoup là. Donc si vous voyez complètement hystérique par rapport à d'habitude, c'est normal. Donc je vais l'ouvrir. Donc je vais l'ouvrir, complètement dingue. J'ai peur de... J'ai tellement hâte, on est tellement excités en même temps. J'ai chaud, hein, je vous le dis les gars, j'ai chaud. Mais je suis tellement excitée, je suis tellement ravie qu'on ait fait ça. Donc voilà, c'est quand on fait de belles rencontres comme ça, c'est juste, voilà. C'est autant, il y a de tout dans la vraie vie, mais autant, même sur les réseaux sociaux, bah, il y a de tout, du bon comme du mauvais. Donc voilà. Voilà, elle a fait ça bien. Oh là 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 là. Donc ça doit être la lettre. Ça c'est le menu, ça c'est la lettre. Donc la lettre, je la garde pour moi, c'est privé, vu que je lui ai demandé si elle avait mis la mienne privée ou pas. Donc voilà, et sinon c'est énorme. C'est énorme. Je vais essayer de me concentrer et d'être sérieuse, parce que sinon ça va partir en sucette. Donc, bah oui, hein, des cochonneries. des cochonneries, ça j'adore. En plus, c'est trop bon. Ça, c'était l'hiver dernier, je l'avais acheté aussi chez Action. C'est méga bon, ça. Ça, c'est méga bon. Je vais prendre quand même le ciseau et le couteau de ce côté. Et puis, voilà. Et encore des cochonneries, allons-y. Hein. C'est pas que je suis au régime, les gars. Hein. C'est pas que je suis au régime, mais... Enfin, voilà, quoi. Hein? Voilà quoi. Donc, numéro 1, pour chouchouter ton visage. Donc ça, je pense que ça peut être que des masques. Ça peut être que des masques. C'est super bien emballé. C'est frais. Méga frais. Je suis... Vous savez, les gamins à Noël. Moi, je suis pareil, hein, même à mon âge. Hein. Bah oui, ça, c'est les masques. Donc, des masques de chez Action, il y en a plein. Là, j'ai mon stock. Il y a celui-ci, il y a celui-ci qui est en double, et il y a celui-ci. Donc je vais essayer de me concentrer, parce que d'habitude vous me voyez sérieuse, donc je vais essayer de rester quand même un petit peu sérieuse. Ensuite, des petites, ça c'est des boules de bain je crois, des boules de bain de chez Nocibé. Des bons petits bains, hein. Je sais pas quoi ça sent, c'est la vanille ça. Je crois que c'est la vanille. Ça sent bon. J'aime bien. Ça sent bien. Ensuite, numéro 2, pour un bain sucré.
pour un bain sucré. Pour un bain sucré, ça peut être que des trucs de bain, là, les... Comment ça s'appelle, les trucs effervescents, là? Si en plus de ça, j'ai pas mes noms et en plus de ça, je galère à ouvrir, ouais, j'avais raison. Donc ça, c'est les délices Nocibé Barba Papa. Mmh. Ça sent trop bon. Ah, ma mamie a mis deux. Ah, il y a guimauve aussi. Barba Papa et guimauve. Ça sent trop bon. Je les ai jamais testés en plus. Donc ça, c'est top de chez top. Ça sent trop bon. Ça sent trop, trop bon. Alors, ensuite, numéro 3. Des mains toutes douces. Donc ça, c'est une crème pour les mains. Logique. Le 3. Donc le 3, il se présente comme ça. Donc ça, ça doit être une crème pour les mains parce qu'on sent le tube. Donc, hein. Logique. Logique, logique, logique. Je suis excitée. Oulala, oulala, oulala. Oulala. Oh yeah. Baie de merveille, crème main, Yves Rocher. Ah, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai d'ouverte en ce moment. Crème hydratante pour les mains, parfum baie de merveille. Beurre de karité bio équitable, eau de bleuet, huile de macadamia, extrait de canneberge. Formule contient plus de 87%. Ouais, trop bien. Bien. Hop. Ensuite, nous en sommes à 1, 2, 3. Là, il va falloir que... Alors, numéro 4. J'ai adoré la couleur. J'ai adoré la couleur. Un fard à paupières. Le 4. Il est où le 4? Le 4. Le 4. Le 4. Ah, ça, c'est un rouge à lèvres. Ça, c'est un rouge à lèvres. J'ai adoré la couleur. J'ai adoré la couleur. J'adorais la couleur venant d'elle. J'ai peur que ce soit un truc trop flashy. Mais comme elle me connaît bien, ça va être plutôt nude ou prune. À voir. À voir. À voir. Si j'y arrive. Si j'y arrive. Alors. Pas loupé. Mat Mat, numéro 13. Alors. Rouge à lèvres. Essence. C'est chez Essence, ça? Moi, j'ai pas de magasin comme ça. Je sais pas où vous les trouvez. Je vais l'ouvrir pour voir et le swatcher. Enfin, si j'y arrive, hein, parce que c'est toujours pareil. Je vais y mettre les dents si ça continue. Je vais y mettre les dents si ça continue. Ils ne peuvent pas faire des fermetures pratiques. Sérieux. Des fermetures pratiques. Bon. Je vais pas prendre le couteau, je vais pas l'abîmer. Il est joli. Oh là là, j'en chie. Oh, ça me saoule. J'en tremble, hein. C'est hallucinant quand même. Putain. Oups. Je dis des gros mots, je me lâche. Voilà. Ah, la punaise. Oui. Oh my god, oh, il est foncé. Quoique, je porte très bien, comme ceci. J'ai pas l'habitude de porter des trucs foncés, mais la couleur est jolie. La couleur est jolie. Waouh, ça passe, ça va. Je m'attendais à ce qu'il donne beaucoup plus foncé en fait. Pas du tout. Ouais, sympatoche. Pas bête, elle a bien pensé. Bien pensé, bien pensé. Numéro 5, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. 5. 5. Une bougie. Une bougie. Une bougie. Oh. Hop. Aïe. Oh my god. Ah bah oui. C'est la preuve qu'on se connaît plutôt bien pour des personnes qui se connaissent depuis peu. Enfin, qui se connaissent depuis peu, c'est même pas on se voit en vrai, c'est par les réseaux sociaux et comment vous dire? Ah là là, ah là là, ah là là. Excellent, 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 je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il y aurait des trucs où ce sera en commun, c'était obligé.
Ça sent trop bon, on était au 6. Au 6, je pense que je vais prendre un crayon pour savoir où j'en suis parce que personnellement, je vais en perdre la tête. Petit coup de crayon à papier. Alors, au 6, une enseigne que j'aime. Le 6, le 6, le 6, 7, le 6 et enseigne, le 6. Un petit tube. Un petit tube, une enseigne que j'aime. Oh ho ho! L'Occitane, crème ultra riche visage. Jamais testé un produit de l'Occitane, donc ça, je suis plutôt ravie. Mais alors, truc de ouf! Appliquer matin et soir sur peau propre et sèche pour hydrater, nourrir et protéger les peaux sèches ou fragilisées. Au top les gars, au top. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. Donc au 6, le 7, utile dans un sac. Utile dans un sac, un miroir. 7, un miroir. 7. Le 7. Ah oui, oui, c'est vrai. J'en ai toujours un dans mon sac. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pratique dans un sac. Et très, très pratique même. Donc ça, c'est le gel main nettoyant. Merci Andy au chéri chéri. Qui sent bon. Il sent bon, il sent bon. Excellent. Bon choix. Bon choix, bon choix. Ensuite, le 8, tes ongles seront parfaits. Tes ongles seront parfaits. Voilà, la manucure, bah alors d'où? 8, 8, le 8, 8, le 8, 8, le 8, mes ongles seront parfaits. À mon avis, c'est un petit vernis, soit un vernis soin, soit un vernis tout court. Ah, oh yeah, c'est un vernis. Je galère avec les emballages. Je galère, je galère. Hop. Oh, elle est trop belle la couleur. Oh. Elle est trop belle. C'est qu'elle me connaît bien. C'est qu'elle me connaît bien. J'adore cette couleur qui est un peu violet. C'est violet, mais c'est. Donc, ça, c'est un vernis essence. La teinte, je ne sais pas laquelle c'est. Mais en tout cas, c'est le genre de vernis et de couleurs que j'apprécie énormément et qui sont juste sublimes. Ça fait magnifique cette couleur. J'adore énormément. Je suis contente. Ensuite, le numéro 9. J'aime beaucoup ce produit. Ça, à mon avis, c'est soit une huile de douche ou c'est. Ça ressemble au. Non, c'est pas le. Je les connais par cœur, c'est pas le. Je pense pas que c'est le. L'huile de douche de chez Ricale. C'est le lait corps hydratant de chez Sephora. À la mangue. Oh là là, il sent le yaourt. À la mangue, ça sent le yaourt à la mangue. La fille, elle mange pas des yaourts aux fruits, non, non, mais excellent. Ça, c'est top et en plus, très pratique à mettre sur la table de nuit. Vous pompez, excellent, excellent, excellent. Je suis ravie. Ensuite, nous en sommes à combien là? Nous en sommes, j'aime beaucoup ce produit. Je crois que je l'ai fait, c'était le 9. Je sais même plus ce que je fais. Je sais même plus ce que je fais. Je sais même plus ce que je fais. Oui, c'était le 9. Donc, le 10, j'espère qu'il tira. Le 10, c'est le 12. 13, le 10. Le 10, j'espère qu'il tira. Je sèche complètement là. Je sèche complètement.
gommage désincrustant éclat. Radiant, bah, impeccable, impeccable, de la marque Kirines. Je connais pas du tout. Il va falloir que tu me dises où tu trouves tes marques comme ça, parce que je connais pas du tout, hein. Mais alors du tout. Appliquer une couche régulière sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux. Masser la crème doucement pendant 1 minute, puis rincer à l'eau tiède 1 à 2 fois par semaine. Impeccable, impeccable. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ensuite, le 11, pour une douche énergique. Bon, ça, c'est un gel douche énergisant. Ça, c'est un gel douche énergisant. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Hop. Ça, je crois que c'est ananas, si je ne me trompe pas. C'est pas ananas, je sais pas quoi, le vert. Ouais, c'est ça. Noix de coco, ananas. Donc, gel douche cottage à l'ananas et crème de coco. Mmh. Oh là là. Ils sont trop bons. En même temps, ils sont trop trop bien, leur gel douche. Je kiffe leur gel douche encore. Oh, je vais kiffer sous ma douche. Ensuite, nous sommes au 12. J'aime trop ça. J'aime trop ça, le 12. Gel main. Gel pour les mains. Crème lavante-main. Ah ouais. Celle de chez Sephora. Extrait de fleurs de pivoine. Elle est super jolie, la bouteille. C'est super. Ils font de belles décos maintenant. Sephora, c'est un truc de ouf. Hop. Ah si, ça sent bon. Ça va. Pour de la pivoine, ça va encore. C'est moins. Certains à la pivoine, comme le parfum, je ne sais plus lequel, c'est Anaïs. Je l'aime pas du tout. Mais alors celui-ci, ça va être impeccable. Moi qui me lave 100 fois les mains par jour. Ensuite, tu vas fondre. Son petit smiley qui tire la langue. Tu vas fondre le 13. 13, 13. Je vais fondre une bougie. Une bougie. Une bougie. Une bougie. Une bougie. Apple cinnamon. Petite bougie. Trop bien. En plus, en couleur rouge. Très attentif. Et qui sent super bon. Ça va. Les épices sont pas trop, présentes. Ça va. Elle est jolie, la bougie. Top, top, top. Attends, on arrive à la fin. On arrive déjà à la fin. 14 petites douceurs. On dirait une plaque de chocolat. La fille, elle n'est pas du tout gourmande. Non, non, non. Elle n'est pas du tout, du tout, du tout gourmande. Il n'y a que la bouche. Ah bah oui. Ah bah oui, hein. Ah bah, bah elle va pas faire long feu ta plaque, hein. Je te le garantis qu'elle va pas faire long feu, long feu, long feu. Oh, trop bien, chocolat au lait, impeccable. Impeccable, j'adore, 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 j'adore. Ensuite le 15, je vais attendre quand même, c'est quoi le 15? Pour tout écrire, ah oh, mais ça c'est un carnet. Un carnet, ah toujours un, il y en a toujours un. Toujours un. Il y a plein de choses qu'on s'est mises en commun. Ouais, il est trop beau. Il est trop, 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 trop beau. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Il est trop, trop beau. Oh là là. J'adore. J'adore. Donc voilà, super. Il est joli. Super joli, classe, élégant, simple. Tout ce que j'aime. Donc c'est parfait. Mais on en a toujours un. C'est vrai qu'on en a toujours un. Donc c'est vrai. Impeccable. En tout cas, je suis vraiment contente de ce swap. Honnêtement, je te dis mille merci parce que je suis vraiment ravie que tu aies tombé dans des choses qui dont me font découvrir certaines choses, de deux qui me font plaisir, qui tombent vraiment dans mes besoins, ce que j'ai l'habitude d'utiliser, etc., etc. Donc, je suis vraiment contente et voilà, j'espère qu'à vous aussi, ça vous a fait plaisir ce swap
Voilà, je suis plutôt ravie, satisfaite. Donc, n'hésitez pas à aller checker si vous n'avez toujours pas encore vu sa vidéo à elle. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye.